et avant la fête de Pessah, il a connu Yeshua, qu'il est venu son temps de passer du monde de la durée présente pour aller vers son Père. Il a aimé ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont dans le monde de la durée présente. Il les a aimés jusqu'à la plénitude. Et il y a eu un repas. C'est l'adversaire qui déjà avait jeté dans son cœur de le livrer à Yehudah, fils de Shimeon, l'homme de Kériot. Et il a connu Yeshua que toutes choses il les lui a données, son père, dans ses propres mains, que de Dieu il est venu et qu'à Dieu il retourne. Il s'est levé du repas, il a posé ses vêtements, il a pris un tablier, il l'a attaché autour de lui. Ensuite, il a jeté de l'eau dans la cuvette, et il a commencé à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le tablier qu'il avait attaché autour de lui. Il arrive donc à Shimeon Pierre. Il lui dit, « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds. » Alors il a répondu, Yeshua, et il lui a dit, « Ce que moi je fais, toi tu ne le connais pas pour l'instant, mais tu le connaîtras plus tard. » Alors il lui a dit, « Pierre, tu ne me laveras pas les pieds, jamais, dans toute la durée qui vient. » Il lui a répondu, Yeshua, « Si je ne te lave pas, alors il n'y a pas de part pour toi avec moi. » Alors il lui dit, Shimeon Pierre, « Seigneur, non pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Alors il lui dit, Yeshua, « Celui qui s'est déjà baigné, il n'a plus besoin que de se laver les pieds, mais il est propre tout entier. Et vous aussi, vous êtes propres, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui était en train de le livrer, et c'est pourquoi il a dit, « Mais tous, vous n'êtes pas propres. » Lorsque donc il a eu fini de laver leurs pieds, alors il a repris ses vêtements et il s'est allongé de nouveau et il leur a dit, « Est-ce que vous connaissez ce que j'ai fait pour vous? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous faites bien de parler ainsi, car je le suis. Si donc moi je vous ai lavé les pieds, moi qui suis votre seigneur et votre maître, alors vous aussi vous devez laver les pieds chacun de son compagnon. Car c'est un modèle que je vous ai donné, afin que comme moi j'ai fait pour vous, ainsi, vous aussi, vous fassiez. Amen, amen, je vous le dis, il n'est pas l'esclave plus grand que son maître, et l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si ces paroles, vous les avez connues, heureux êtes-vous si vous les faites. Ce n'est pas au sujet de vous tous que je dis cela. Moi, je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange mon pain, il a levé contre moi son talon. Dès maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela n'arrive, afin que vous soyez certains, lorsque cela arrivera, que c'est moi. Amen, amen, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'envoie, c'est moi qu'il reçoit, et celui qui me reçoit, il reçoit celui qui m'a envoyé. » Lorsqu'il a eu fini, Yeshua, de dire ces paroles, alors il s'est affligé en son esprit, et il l'a attesté, et il l'a dit. Amen, amen, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Ils se sont regardés chacun son compagnon, les disciples, et ils se demandaient de qui il parlait. Il était étendu, l'un de ses disciples, penché sur le creux du côté de Yeshua, celui qu'il aimait, Yeshua. Il lui a fait signe à celui-là, Shimeon Pierre, pour savoir qui c'est celui dont il parle, et il lui a dit, qui est-ce celui dont il parle? Alors il s'est penché celui-là, comme ça, sur la poitrine de Yeshua, et il lui a dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Et il a répondu, « Yeshua, c'est celui pour qui je vais tremper le morceau de pain et à qui je vais le donner. » Il a donc trempé le morceau de pain et il l'a donné à Yehudah, fils de Shimeon, l'homme de Kériot. Et après la bouchée de pain, c'est alors qu'il est entré en lui, l'adversaire. Alors il lui a dit, « Yeshua, ce que tu es en train de faire, hâte-toi de le faire. » Et cela, personne ne l'a connu parmi ceux qui étaient étendus. Pourquoi il lui avait dit cela? Il y en a qui ont pensé, puisqu'il tenait la caisse, Yehudah, qu'il lui disait, Yeshua, va acheter ce dont nous avons besoin pour la fête, ou bien pour les pauvres, afin de leur donner quelque chose. Il a donc pris la bouchée de pain, lui, et il est sorti aussitôt. C'était la nuit. Lorsque donc il fut sorti, il a dit, Yeshua, maintenant, il est glorifié le Fils de l'homme, et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu a été glorifié en lui, alors Dieu le glorifiera aussi en lui-même. Et voici qu'il va le glorifier. Les enfants, encore un peu de temps, je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Judéens, là où je vais, vous, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Un commandement nouveau, je vous donne. C'est que vous vous aimiez chacun son compagnon, de même que je vous ai aimé afin que vous aussi, vous vous aimiez chacun son compagnon. C'est en cela qu'ils connaîtront tous que pour moi, vous êtes des disciples, s'il est l'amour parmi vous, chacun pour son compagnon. Alors il lui a dit, Shimon Pierre, « Seigneur, où vas-tu ? » Et il lui a répondu, Yeshua, et il lui a dit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant, mais tu me suivras plus tard. » Alors il lui a dit, Pierre, « Seigneur, pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre dès maintenant ? Mon âme, pour toi, je la mettrai dans la paume de ma main. » Et il a répondu, Yeshua, et il a dit, « Ton âme pour moi, tu la mettras dans la paume de ta main ?» Amen, amen, je te le dis, il ne criera pas le coq jusqu'à ce que tu aies nié trois fois me connaître.